Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de montage de Zone du Documentaire. Tout simplement, petit récapitulatif de ce que c'est Projet Mystère en Occitanie. Projet Mystère en Occitanie est un projet tout simple. Pour ma part, c'est l'histoire du lieu. Et derrière, on va suivre les enquêteurs ou ces chercheurs en phénomène paranormal qui est Les Clés du Mystère. Donc la page Les Clés du Mystère qui se trouve sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à leur page. Voilà, c'est gratuit. Ça coûte rien à personne. Comme n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, vous n'avez pas payé. Pour une fois qu'on peut vous proposer du contenu où vous n'êtes pas obligé de payer le contenu pour le visionner, profitez-en. Voilà, j'ai fait le tour de ce que était Projet Mystère en Occitanie. C'est du documentaire, une partie historique, une partie enquête paranormale avec ses chercheurs en phénomène paranormal. Maintenant, je vais vous parler vraiment de l'épisode numéro 3 qui va arriver. On va être... Alors, eux, c'est un lieu qu'ils ont déjà fait. Pour ma part, ça sera la première fois où je vais arriver sur ce lieu. Un lieu riche d'histoire, avec apparemment une architecture d'époque. Je vous dirai tout ça quand je vous raconterai l'histoire du lieu, bien sûr, en voix off. Où on se retrouvera en studio, forcément, pour vous raconter cette histoire. Alors, dans ce lieu, le petit bonus que je peux vraiment vous raconter, c'est un lieu, il a deux histoires. Sur une des deux histoires, une forcément, voire même trois histoires, si on va vraiment dans l'ordre. Donc deux, plus ou moins tristes, une un peu plus joyeuse. Je vous en dis pas plus, puisque nous on part ce week-end en tournage avec, bien sûr, l'équipe Les Clés du Mystère. N'oubliez pas d'être présent samedi soir, parce qu'il y aura le live, bien sûr, sur leur page. Et nous, on se retrouvera forcément sur ma chaîne Zone de Documentaire. Épisode numéro 3 de Projet Mystère en Occitanie. Et voilà, tout simplement, prenez soin de vous. On va reprendre aussi quelques enquêtes un peu judiciaires. Mais là, je vais parler vraiment d'une enquête judiciaire aussi qui est arrivée à quelqu'un de très 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 proche de moi. Où je trouve... que la justice n'est pas forcément juste. Voilà, je vous en dirai pas plus. Il y aura bien sûr des documents officiels. Et là, je vous dis bien des documents officiels. Et je vous expliquerai vraiment l'histoire de ce qui se passe. Et ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir. À l'heure d'aujourd'hui, je ne crois plus en... cette autorité, cette justice, cette police, voilà, j'ai vraiment du mal à croire en ces personnes-là. Voilà, je vous en dirai plus tard sur, bien sûr, ce nouveau documentaire qui n'empêchera pas non plus les épisodes de Projet Mystère en Occitanie. Voilà, de ce prochain documentaire de justice aussi, que je vais faire forcément à tête reposée et surtout au calme, parce que vous le savez comme moi, le problème de la justice, c'est quelque chose de très compliqué, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont pas forcément justes, et voire des fois c'est trop en accéléré. Voilà, il y a pas mal de choses qui fait que je ne crois plus en cette justice, en cette autorité qui est censée être des autorités compétentes, et je suis vraiment un peu déçu. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça bien sûr au prochain numéro de Justice. Sur ce, prenez soin de vous, des vôtres,
et faites attention à tout ce que vous pouvez marquer, car des fois ça peut être tourné, même si des fois c'est écrit sous un coup de colère, et voilà, ça peut gâcher votre vie totalement. Voilà, je vous en dis pas plus, comme je vous ai dit, ça arrive à quelqu'un de très proche de moi, et je suis vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, dégoûté, voilà, tout simplement. Sur ce, bonne soirée à tous, et on se dit à plus tard.